Yon autre fois, comment je vous tout le monde, merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Secrétaire d'État Affaires Sociales, Emmanuel Cantave, mouri mardi 9 juin 2021. C'est secrétaire d'État Communication, Eddie Jackson Alexis, qui fait annonce là pendant souligner Emmanuel Cantave, tape souffrir avec maladie, qui continue à gagner dans tout pays ici dans Haïti. Et nous voulons faire qu'on ait pouvoir exécutif là adopter un nouveau budget, 198,7 milliards goudes. C'est montant budget pour exercice fiscal 2019-2020. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner, quitte un commentaire pour nous. N'a pas vu tout suivre. Le budget 2019-2020 a une particularité. Au sens où ce budget intervient après un peu plus de 8 mois d'exécution, c'est-à-dire depuis le début de l'exercice, octobre jusqu'au mois de mai, on a exécuté des dépenses qu'on va devoir régulariser. Donc la partie projection du budget ne va couvrir que seulement les quelques jours restants, soit un peu plus de 3 mois. Comme vous savez, le budget est préparé dans un contexte sociopolitique difficile, marqué par la présence de COVID-19 sur le territoire national. Et le budget également remplace un budget qui a été reconduit sur déjà 2 exercices fiscaux. Donc, à l'instar de tout État responsable, soucieux de doter sa population d'outils nécessaires à la construction de son avenir, le gouvernement donne un budget pour l'exercice fiscal 2019-2020 en vue de se hisser à la hauteur des priorités du moment. Ce qu'il y a lieu de retenir comme cadre dans lequel le budget a été préparé au niveau macro. Donc, l'inflation attendue en fin d'exercice se situe autour de 24%. Le taux de l'inflation atteindra en fin d'exercice 24 points. Donc, contre un niveau d'inflation en glissement annuel qui était en 18-19 à 20,1. En moyenne annuelle, l'inflation qui était de 17,2 passera en fin d'exercice à 22,2, soit une augmentation de 7 points environ. On va s'atteler à implémenter le plan de réponse à COVID-19 en référence à l'état d'urgence décrété le 19 mars 2020. Nous prenons le travail pour renforcer la sécurité intérieure en vue de la relance rapide de l'activité économique, parce qu'il va s'agir pour nous de décongestionner les circuits d'approvisionnement et de distribution des biens et services sur toute l'étendue du territoire. On va mettre en œuvre, à travers ce budget, des actions sectorielles à résultats rapides et tangibles pour le retour rapide à la stabilité politique et sociale. Dans le cadre de ce budget, on va allouer les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au ministère sectoriel pour renforcer la lutte contre la traite des personnes, renforcer le système éducatif, doter le système de santé d'un plan technique capable de répondre aux besoins de la population, redresser les finances publiques, jeter les bases pour la relance de l'économie. Il va s'agir aussi pour nous de poursuivre la mise en place d'instruments nécessaires au renforcement de la qualité des lois de finances
afin que les budgets de l'État puissent mieux refléter les capacités réelles de financement et d'absorption avec des allocations de crédit susceptibles de contribuer à des progrès rapides vers la réalisation des objectifs de développement. Améliorer la politique de communication autour de l'utilisation des moyens de l'État dans un souci d'accroître la transparence dans la gestion publique. Plus spécifiquement, la gestion des dépenses liées au COVID-19. À ce propos, au niveau du ministère, on peut mentionner la création d'un comité avec pour mission de produire un rapport sur toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. À travers ce budget, nous engager également pour nous respecter ça nous signer comme accord avec les différents gouvernements amis et partenaires techniques et financiers. Donc là, nous voulons citer amélioration qui doit porter sur la qualité des prestations sociales. Et là, au niveau du gouvernement, il y a un document de politique nationale de protection et de promotion sociale qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres pour traduire la volonté du gouvernement à mieux cibler les familles vulnérables. On va s'atteler également à soutenir des réformes pour une administration publique moderne à travers une administration fiscale et douanière performante et dotée des moyens d'action modernes. Lui, et c'est la caillou de Mouri, et matin. Mon homme a 56 ans d'âge. Pour lui quitter trois petits garçons, Emmanuel Cantave, secrétaire d'État aux affaires sociales, nous a quittés ce matin. Et il est derrière lui, ses trois enfants et de nouveaux amis. Nous avons fait bataille 86 dans la radio nationale, Tiboyo. Donc c'est un gros militant d'Ouamoun, un gros militant pour liberté d'expression, pour un gros combattant pour la démocratie, que nous perdons avec Mano. Un gros militant qui était fait par le politique, engagement politique, et qui devait pas assumer des responsabilités publiques, et qui malheureusement quittait nous, le gouvernement. Mon premier ministre, Joseph Jout, mon président de la République d'abord, maintenant, premier ministre, Joseph Jout, président de la République, Jovenel Moïse, maintenant, tout reste mon gouvernement, avec un peu d'émotion, ce que nous comprenons, que nous commandons, même si commencé comme une analyse, nous ne savons pas qu'un des mêmes. Donc, moi, toute l'équipe, tout l'exécutif, on dit famille Mano, camarades bataille Mano, amis Mano, condoléances, sympathie et du courage. Bataille là doit continuer, nous connaissons ça Mano la sauté. Tout Mano, Emmanuel Cantave, nous-mêmes, l'exécutif là, président de la Jovenel Moïse, premier ministre Joseph Jout, tout le reste du gouvernement, nous renouvelons l'engagement de votre population pour continuer de gouverner, continuer de camper, pour continuer de travailler dans le moment de crise, tant qu'on n'a pas de crise, pour nous avancer et satisfaire, même aussi que nous sommes capables de revendiquer cette population. Parallèlement à Manoa, puisque la vie doit continuer. Bureau secrétaire d'État communication dans nos gouvernements, salue décision, conseil université de l'État à point, pour mettre en campagne une équipe qui vous travaille
bah, avis technique et avis éthique sous remède traditionnel en cas de bataille pour le coronavirus. Là. Le secrétaire d'État, ça a décision ça, l'ICOUE, qui vient dans un bon moment, pour être un débat qui a fait, que ce soit dans la presse, dans l'espace public, pour faire promotion, pour valoriser, pour parler de médecine traditionnelle. Et dans le moment où on a parlé, il y a un peu de monde qui pensait que dans le niveau de médecine traditionnelle, il y a un seul remède avec des médicaments qui ont des capacités, qui ont des tendances pour faire prévention ou même faire guérison. Et pour faire prévention et guérison contre la maladie coronavirus. Là. Étant donné que pas de décision arrêté sur ça par des scientifiques qui confirment, nous croyons que c'est dans ce sens ça, décision université de l'État à aller. Et des gens qui aujourd'hui ont fabriqué des médicaments, ont fabriqué des remèdes qui à base de médecine traditionnelle, pour proposer dans l'espace public, pour faire conférence de presse, des gens qui même dit qu'ils ont commercialisé des médicaments. Mais c'est le moment pour nous rappeler que le ministère de la Santé publique sorti un document, un circulaire, côté pour le dire, nous-mêmes, le nouveau ministère là, pour encourager le travail que la médecine traditionnelle a fait déjà, ils ont décidé de la médecine traditionnelle là, j'arrête, puisque c'est qui type de l'IA. Nous, notre SPPA, nous encourageons l'initiative qui allait dans sa valorisation de la médecine traditionnelle là. Mais, le ministère voulait faire tout le monde connaître. Jusqu'à jeudi, il n'y a pas personne instance, personne personnalité, personne institution, personne même autorisation pour fonctionner encore 20 médicaments qui font à base de médecine traditionnelle. Là, on met qui sorti dans la médecine traditionnelle. Là, on veut insister sur ça. Le ministère n'a pas personne autorisation. Sous le texte que médicaments ou soit remède ça yo capable de guérir coronavirus ou bien faire prévention contre COVID-19 là. Le ministère a dit dans notre là, tout le monde qui est intéressé. La question ça, la question de médecine traditionnelle là, il y a un travail avec MSPP sous médicaments ou bien remède là, qui sont ces médecines traditionnelles là, qui les mêmes pour vivre. L'autorisation ça, il faut qu'on travaille avec le ministère, donc il faut qu'on suive, voir qui tracé pour ça. Procédure administrative, il faut qu'on suive. Donc, nous voulons nous-mêmes encourager tout médecin, tout monde qui sait thérapeute, tout monde qui sait des capacités pour faire guérison. Qui croit que pour une formule qui a fait impact sur les gens qui malade coronavirus, et bien entre en contact avec le ministère de la Santé publique pour façon que le dossier soit capable de traiter. Mais même si Haïtien nous a tout le monde, nous avons un paquet à paquet même, puisque tout le monde est Haïtien, nous avons fait exagération, la population a une estimation. Pas dit nous ne pas boiter pas vrai l'intervention ça nous fait là l'intervention du ministère de la République là puis on dit le ministère a dit bon nous ne pas prendre non pas ça nous dit mais nous dit quand ça qui paraît tant qu'on remède formel pour ça fait il doit suivre procédure faut des principes qui respectent dans le niveau ça concernant PA c'est nous connaissons haïtien par contre pas utiliser feuille dans tout sens et bien c'est qu'il dit nous donc on a capable de nous dire nous ne pas voter mais une fois encore dans le cas de la pandémie côté de nous qui a campé dans les médias sur les réseaux sociaux les médias traditionnels pour dire que les médicaments à connaître le ministère de la pépagne aucun monde autorisé pour que vous fassiez ça, vous vendez des médicaments, vous venez faire promotion pour les médicaments que vous avez gagné. Et
c'est pour raison ça, bureau secrétaire d'État, ensemble avec l'autre instance dans l'État, nous féliciter le conseil exécutif de l'université, le fait que vous mettez en place tout ce qui vient à donner. Les professionnels dans le domaine de la santé, biologie, et spécialistes dans la question de nutrition animale, et spécialistes qui ont spécialiste, des compétences dans la question chimie. Bien sûr que l'État santé travaille même et tout ça à permettre d'une plus bonne compréhension sur plantes naturelles. Donc ce que sont feuilles là, bonne qualité que feuilles bien là-dedans. Mais tout dégât que feuilles capable occasionner sur santé humaine, n'est pas bien utilisé feuilles. C'est de ça qu'on a parlé. En attendant mon équipe là, que l'université a réalisé, fait une recommandation sur le travail. Nous demandons aux populations pour continuer à respecter les consignes à la recommandation de l'autorité sanitaire. Continuer à faire tout le monde débat à distance. Continuer pendant l'espace public pour tenir masse. Continuer pour tenir masse. Continuer pour te masse. Il y a des résultats de l'autre côté, pour qui ça? Pour ne pas avoir des résultats là, c'est une obligation. Eh bien, mettez masque, mettez masque, mettez masque. De bas distance, tout le monde. Maladie coronavirus là, ce n'est pas jouet. Pour le coup, c'est depuis toujours dit, chaque avis, nous sortons. Ce n'est pas pour rien, nous sommes chaque avis. Nous faisons redondance, nous insister sur ça. Eh bien, il faut que nous comprenions que des gens qui ont pris la maladie coronavirus. Nous avons dit 54 000 déjà. Il y a plus passé 3700 personnes qui sont infectées par la maladie. Nous sommes capables de limiter les dégâts si nous respectons toutes les consignes, si nous suivons toute sa autorité sanitaire. Un homme qui présente signes et symptômes, cherchez chez un docteur. Le 20-20, et puis aller dans le centre de dépistage pour faire des tests, pour connaître sous le coronavirus, et puis qui pathologie ça ou bien, qui j'en la page sous vous, pour être capable de faire une recommandation. Nous vivons grave, pour aller dans cette prise en charge, de plusieurs déjà dans la zone métropolitaine, dans Guéné, dans certaines villes de province de Guéné, de plusieurs. Dans la zone métropolitaine, il y a au moins 6 côtés de recevoir des gens qui ont le coronavirus. Mes amis, haïtiens, haïtiennes, femmes et garçons, on continue à protéger la tête. Encore une fois, au nom du président de la République, du premier ministre, nous avons joué, et de tout le monde gouvernement, nous présentons sympathie à Emmanuel Cantave, secrétaire d'État à la sociale, là, qui mourit le matin à 56 l'année sous tête. Pour quitter de elle trois petites garçons. Bien à vous, m'a passé docteur Datus Moukoua qui va le faire en conférence sur continuité service public de la santé, cas maternité Isaïe Gentil que nous voulons chancel. Ça veut dire l'hôpital chancel a continué de travailler, a continué de fonctionner. Pour nous parler sous lui et peut-être poser l'autre question qui vient rapport avec compétence docteur Datus dans la question santé, il y avait docteur Datus. Ben, dis-moi, bon, on m'a parlé. J'étais nous-mêmes, nous le comprenons. Merci docteur Datus. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui dans la CIPCA pour nous recevoir, pour nous parler sur la continuité du service public de la santé, le cas de la maternité Isaïe Gentil. Merci, secrétaire d'État. Merci, secrétaire d'État, à la communication pour honneur ça, pour bon aujourd'hui, dans le cadre de CIPCA, pour nous parler de l'hôpital maternité Isaïe Gentil. Alors, n'a permettre pour moi de saluer tout d'abord les téléspectateurs.
auditeurs qui peuvent suivre l'activité SAA et instituer depuis un certain temps au sein du gouvernement pour capable véhiculer et faire promotion pour l'ensemble des services publics au niveau de la communauté haïtienne et sur toute l'étendue du territoire national. N'a pas maintenant aussi, alors pendant n'a pas souhaité sympathie nous, condoléances nous, à toutes familles, amis, collègues de travail, secrétaire d'État aux affaires sociales, M. Emmanuel Cantave, qui malheureusement, qui devance nous et nous dit que nous reposons en paix. N'a profité pour nous saluer ministre, toute équipe gouvernementale là, et particulièrement le ministre, Dr. Marie Tawaklement, DG nous, Dr. Louis Adoumé, qui l'ont en synergie avec le ministère communication, culture, via secrétaire d'État communication, hein, permettent nous de chance la matin hein, pour nous venir parler d'une institution très ancienne, une institution régalienne, qui c'est Maternité Isaïe Gentil, couramment appelée l'hôpital Chancerelle. On a profité tout pour nous saluer gros efforts qui fait avec un niveau travail à la pression. Zami la pression, nous saluons. Et maintenant, ministère de Santé publique, maintenant l'hôpital Maternité Isaïe Gentil, Maternité Chancerelle, eh bien, nous avons beaucoup de chapeaux pour nous. Parce que c'est grâce à nous-mêmes qui permettent à la population de gagner confiance encore. Et connaît que l'hôpital Chancerelle reprend l'activité pour la plus belle, dans 4 jours forts, le ministère fait au nouveau gouvernement. Je vais parler du ministère de Santé publique et de la population. En fait, je dis à nous là, dans le cadre GFOA, qui continue à faire, pour nous reprendre l'activité dans l'hôpital Chancerelle, parce que c'est l'hôpital qui était conçu dans le temps, en 1947, pour environ 150 000 à 200 000 habitants. Je dis, hein, communauté ça, même communauté ça, elle est tellement croite, nous fusions déjà plus de 500 000 habitants. Et son hôpital qui était conçu dans la commune d'Elma à l'époque, en 1947, je dis, hein, il fait partie de commune Cité Soleil, au plein cœur de commune Cité Soleil. Or, zone Pont Rouge, zone Chancerelle, station Gonaïve, c'est zone qui est très 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 difficile. Et difficulté ça y est, fait que l'hôpital n'a pas suspendu, touché de plein fouet directement de toute rivalité qui gagnait entre groupes armés par moment. Et ceci depuis environ, pour nous être plus précis, depuis 6-7 juillet 2018, l'hôpital Saab connaît des moments extrêmement difficiles et côté de temps en temps, il était obligé à fermer les portes pour être capable au moins d'épargner des dangers de ça à gagner. Mais dernier coup qui tourne coup pour moi, il y a 2 semaines de cela, dans la fin mois de mai, l'hôpital a été obligé de fermer complètement, ne pas qu'à continuer la communauté à service, en particulier femmes enceintes qui ont bien accouché, qui ont bien consulté, qui ont bien traité pour une question fibrome, en question caisse, en question problème non ouvert, et toutes autres questions qui ont rapport avec femmes, surtout femmes enceintes. Et nous avons fermé, mis à part question sécurité qui sont questions majeures, mais nous avons des problèmes par rapport à la pandémie, côté en pile, nous avons des fricats parmi le personnel de l'hôpital, là, personnel soignant, personnel administratif, en particulier le personnel soignant, infirmière, docteur, surtout résident, nous sommes obligés de vider la lune. Non seulement tu as un balle qui t'a tiré,
mais aussi te gagner cœur ou cœur bleu par rapport à la pandémie de la COVID-19. Mais Dieu merci, depuis plus d'une semaine, mon gros effort, ministre, direction générale l'a fait, doté l'hôpital là d'un lot de matériel très important en très forte quantité pour être capable de relancer avec activité l'hôpital là qui doit continuer à accompagner la population dans ses moindres désidérata par rapport à sa santé ou par rapport aux questions de santé. En fait, je dis à l'hôpital Chancerel, c'est un hôpital qui gagne un budget de 3 millions à 3,5 millions d'euros par mois pour être capable de fonctionner bien par rapport à la cherté de la vie. Et l'État n'est pas capable de doter l'institution en temps réel. Quantité l'agence, que ce soit un bien, un être ou autre, ça oblige nous en pile fois, faut-il peser sous maladie, demander un petit monnaie, demander un petit cob, tout petit, pour arriver qu'aide et faire l'hôpital à fonctionner. Au cap comprendre, automatiquement, chers téléspectateurs, si pas de monde dans l'hôpital là, situation vient critique, extrêmement critique, nous sommes déjà critique. Eh bien, nous sommes arrivés à un moment côté que c'est 5-6 personnes qui ont fait garde, qui ont venu à l'hôpital là, qui ont demandé des services. Or, nous sommes misés sur le nom blanc pour te battre un petit minimum. Et ça vient faire que là, nous pas de nom, nous pas un petit minimum. Ça vient cause l'hôpital là, qu'on est des jours très difficiles. Et je dis, hein, grâce avec participation communautaire, là, grâce avec ministre DG qui te comprend la nécessité pour te accompagner nous, eh bien, nous dit que synergie ça a été trouvé entre l'administration de l'hôpital qui représente le ministère là, et le ministère à niveau côté lien qui n'a pas jamais suspendu accompagner nous et population hein, reste personnel de l'hôpital là, eh bien nous capables de nous dégel dans la crise hein, non seulement nous gagnons matériel en quantité mais aussi nous gagnons zone qui connaît un moment de paix côté que vous pouvez réaliser que et vous comprenez que faut entendre entre nous pour permettre l'hôpital à fonctionner. Pour la simple raison que, de même de préciser, si l'hôpital a fermé, c'est pas bon soin. C'est reste mieux pas bon soin. C'est femme enceinte. Donc être si sensible pour nous, au niveau de direction de santé de la famille, au niveau du ministère. Et pour le ministère libère la personne qui est une femme, qui est toujours boumée, qui est toujours combattre, pour permettre l'institution sous rail pour fonctionner comme ça doit pour bail service. Tout service Chancerel offre. Chancerel fait accouchement. Lui opère bien. Nous faisons tout type d'accouchement. Pas de cas qui est jamais difficile, qui est jamais dépassé. Et si nous c'est seule maternité, alors si nous c'est maternité de référence, là, nous c'est seul l'hôpital qui font seul bagaille, dans la question santé femme, c'est seulement ça nous fait. Donc, nous ne pas permettre le luxe pour nous référer malade à tout bout de champ vers un horizon quelconque. Job nous, c'est pour tout problème mesdames. Surtout ça en rapport à santé génésique, santé femme, à question fait petite, pour nous prendre en charge avec accompagnement que l'État continue, par exemple, suspendre, nous continue à donner pour nous capables de faire un meilleur hôpital. Et dans le cadre de perspective que nous gagnons pour l'hôpital, ça, c'est arriver faire l'hôpital là, l'hôpital véritablement de référence, un hôpital d'excellence, côté que tout nous capables de dire oui, dans Badelma, la Cité Soleil, sur route nationale, ça, le 47, qui a continué dans l'OTAN et pas de la l'OTAN, pour bailler service à la communauté, hein, particulièrement avec famille. Eh bien, nous faisons planification familiale, nous recevons malades qui vivent avec VIH-SIDA,
nous opérons mille pour cancer, nous opérons mille pour fibrome, nous faisons un peu d'intervention et nous suivons tout la question pas qu'à faire petit, ça on a appelé infertilité. Et nous avons une sonographie et d'autres services encore, dans la perspective pour nous avoir l'hôpital vraiment, un hôpital d'excellence, nous gagnons dans la tête nous pour nous gagner un centre de diagnostic anténatal, côté que depuis dans 20 pour nous commencer à diagnostiquer si nous avons un gros problème et pour nous connaître quel type d'approche et quel type de conversation counseling n'a gagné en face maman, papa, si nous qui pour le faire avec le problème quelconque sans que nous passions tout. À l'heure qu'il est, au plein cœur du 21e siècle, si nous avons fait santé, nous avons fait médecine, nous avons parlé maternité, eh bien, nous devons vivre là. Ça, c'est perspective, nous, ça, c'est ça, nous voulons. Et c'est ça, tout ministère, lui, encourager chaque directeur, penser, il faut que nous devons véritables visionnaires pour nous permettre que la population pour bénéficier des soins de qualité et des services de qualité au niveau institution sanitaire. Alors, quelle difficulté je dis à nous gagner? Oui, nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes anesthésistes pour l'hôpital là. Et ça, nous voulons que tout le monde croit et tout le monde aide nous. Particulièrement le secrétaire d'État qui là, qui peut pas une opportunité pour nous de la redire, hein? N'a pas demandé lui, tant pis. Nous ne connaissons pas, comme nous sommes tous et de nous dans ce sens, et le ministre lui au courant déjà que l'hôpital chancelier, DGA au courant que nous avons problème anesthésiste, qui prend du temps, nous ne connaissons pas à quel niveau si blocage joué, même quoi que bagaille, il a fait au fur et à mesure, ce n'est pas tabouté. Nous avons fait longtemps pour le matériel et je dis, nous reprenons pour la poubelle. Donc, par rapport avec COVID-19, qui ça l'hôpital chancel offrit, qui ça le cas offrit, nous pas en sorte spécifique pour prise en charge de COVID. Mais par contre, nous avons fait qui présente des symptômes de COVID, non seulement nous avons soin pour Kala, mais nous avons secteur, nous mettez à part pour nous offrir des soins, non seulement pour Kawa, mais au minimum pour problème COVID là, suspicion de COVID de guerre, même lorsque nous pouvons arriver à faire test pour eux, parce que ça m'a de tout bon équipement, eh bien, au moins, nous accompagner, nous avons le soin, docteur des matériels suffisants pour protéger les gens, et tout pour protéger à la dette, bien entendu. Parce que faut qu'on parle de protection, non sens unilatéral, faut nous tout par rapport à malade qui, lui-même s'il saute la caille avec seulement grossesse, pour ne pas obliger tout le problème de prendre l'hôpital là. Donc de ce fait, nous faisons en sorte que, grâce au ministère, grâce à l'effort que nous faisons ces derniers temps, pour nous capables de protéger et malade là, et parents là, et personnel qui a travaillé avec malade, parce qu'un personnel soignant. Peut-être ça, dans le cas de matériel de bonheur, nous gagnons N95, nous avons une très grande quantité, nous gagnons 24 000 masques N95, nous gagnons 12 000 masques chirurgicaux, nous gagnons 2 000 épis, équipements de protection individuelle, nous gagnons 2 000 mises, nous gagnons près de 10 gros gallons d'alcool de 5 gallons, ça veut dire pour nous capables de faire des infections. Nous gagnons gants, 36 000 gants, nous gagnons en termes de paires de gants, 36 000 paires de gants pour nous capables d'accompagner, pour nous mettre personnel à capter pour nous sécuriser. Nous gagnons lunettes 1200, nous gagnons couvre chaussures, ça veut dire shoe cover en anglais, 24 000, nous gagnons 40 bonbons d'oxygène, nos produits. On peut du très 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 précieux que nous gagnons pour nous capables d'assister à Dieu. Et faut que nous disions en passant, chancelier gagne toute année ça, depuis 1947 à nos jours,
eh bien, Chancel était seulement gagné 24 bonbons d'oxygène. Grâce à gros effort du gouvernement, grâce à gros effort du ministre de la Santé, avec la direction générale, eh bien, le doté l'hôpital là de 40 bonbons d'oxygène, remplis et équipé avec tout accessoire. Ça, nous battons bravo là contentement pour l'équipe, pour le leadership et pour la presse tout, qui a continué à accompagner nous dans le cadre de promotion pour la santé et surtout promotion pour santé femme. Et sous base ça, nous sommes capables de dire, je dis à Chancel retourner dans la communauté. Et nous-mêmes nous disons, population, nous faisons des bois, nous sommes problème de sécurité, nous capables de dire, oui, plus ou moins, résoudre. Nous ne connaissons pas combien de temps la paix a trouvé, mais au moins, lui palpable, lui qualifiable, je dis, il n'y a pas de tirer dans la zone encore, pas de coup de balle qui a chanté, et tout personnel là, docteur, infirmière, et tout le personnel administratif là, ils ont même du travail sans problème parce que chancelle ouvert pour recevoir petit nous, malades et travailleurs de la santé. Merci beaucoup. Oui, niveau matériel, non seulement matériel de protection contre COVID-19, mais nous avons pour matériel que ordinairement nous avons toujours besoin et nous profitons de nous. Par exemple, nous avons pu recevoir là 50 cabanes, nous avons pu recevoir berceau pour bébé, nous avons pu recevoir thermomètre qui te doit passer pour le ministère là, thermomètre infrarouge. Donc nous croyons que l'hôpital là doté d'ensemble de matériel pour nous capables d'offrir un service optimal à la communauté. Garantie que nous gagnons personnel médical à tout sur place. Je dis, il y a des gens qui sont capables de quitter le pays, par un moyen ou par un autre, ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont prise de conscience qui fait. Et nous croyons que je dis, quel que soit l'argent qui est capable de bailler, tout le même qui est avec nous comme journaliste, nous pensons que si ce n'est pas prise de conscience, on ne peut pas l'argent par rapport là. Parce que nous comprenons que tant que docteur, acte infirmière et reste personnel là, nous avons Haïti pour nous défendre. Nous avons Chancel pour nous protéger. Nous avons population qui sont responsables. Nous ne pouvons pas aller, il faut que nous arrêtions. Et c'est garantie ça, hein, d'abord nous gagnons. Et ensuite, garantie sécurité hein, que nous gagnons sous plusieurs formes. De manière globale, sécurité par rapport à l'environnement, vu plus de conscience que nous, la communauté, les leaders de quartier, de la zone, de la communauté, les élus, les non-élus, tout le monde qui est élevé tête en leader sous une forme de fait ou de droit, nous chita avec tout et nous venons déjà dans la crise. Là. Et l'autre manière encore, nous comprenons que le personnel là, la vie travail, la fait froid avec ça nous dit, c'est parce que y aurait à propre vieux que le ministère a suffisamment de matériel de protection contre la pandémie Covid là qui a fait parler de nous à tout le monde. Ma propre deuxième question d'abord, est-ce que nous ne pouvons pas penser, oui, sans l'hôpital qui a connu des moments très difficiles et qui même devait fermer pendant deux semaines, eh bien c'est graduellement et nous allons très très vite grâce à leadership ministre et directeur général là, pour nous arriver là et pour aujourd'hui à moi-même qui directeur qui t'a soufflé en pile, capable de déclarer nous avons suffisamment de matériel pour nous offrir un service optimal. Mais en perspective, c'est arriver, faire chancel, nous avons une équipe complète, côté que nous faisons tout le bagage, non seulement pour nous dépister, mais pour nous traiter tout le monde qui est venu, parce que nous sommes en zone très stratégique, nous sommes à Cité Soleil, entre Delma, Port-au-Prince
et Cité-Soleil. Donc, ça veut dire, Walmi, c'est offrir un service complet. Mais pour le présent moment, nous pouvons corriger dans le niveau fait à cela. Nous avons chuté sur ça, nous réfléchissons sur ça, nous déjà prenons mesure pour nous capables de faire compte et ingénieur, partenaire ministère déjà voué ingénieur, vient faire évaluation pour mettre des temps momentanément pour nous capables de continuer à accompagner mon COVID graduellement. La première chose, c'est précaution. Précaution, même dans la rencontre avec lui, pour faire petit plan, pour capable d'attraper COVID. Nous ne pouvons pas dire que nous pas de relation. Si il y a par exemple deux mille qui m'a souhaité des timons. Mais on a toujours dit que COVID là, il n'est pas respecté personne. Il est capable d'attaquer ni deux mille, ni timons. Même lorsque dans le monde là, il est attaqué à un des deux mille timons. Mais nous sommes capables de dire toujours prendre précaution. Si précaution doit aller jusqu'à ce que nous t'attendons que au moins tu as une certaine immunité qui crée la caillou avant même pour contracter pour faire timon là, nous t'avons toujours dit, même qu'on est vite difficile. Nous n'avons pas vu le chemin comme ça, mais on a dit que, précaution pour le plan, des questions de planification familiale, l'important pour nous de planifier tête pour une période si difficile, pour ne pas marcher faire petite par-ci et par-là, à tout bout de champ, parce que la situation est difficile, et surtout avec la pandémie, ça vient compliquer la situation plus que toujours. Toutefois, on est capable d'ajouter. Faire petit plan pour une période, planifier de façon, après COVID, là, nous t'a capable. De toute façon, c'est la priorité, mais au moins, avec une certaine immunité. Nous, par contre, nous pouvons rentrer dans le pic, là. Nous comprenons que les spécialistes, surtout qui avancent et qui développent, ils parlent de fin juin à juillet, nous espérons que, bien vite, maladie ça, la fait chimène, et puis pour nous, finir par habituer avec elle, et que nous sommes capables de retourner pour la poubelle, dans l'enfanté, dans le petit monde, moyennant avec contrôle. Eh bien, m'a dit nous merci, équipe Zone de la Pression, m'a dit secrétaire d'État Culture Communication, merci. M'a dit un gros merci avec toute l'équipe gouvernementale, particulièrement à ministre DGM, le docteur Louis Adrien, docteur Marie Détawa, ministre, qui permettent nous là, je dis, hein, et qui facilité et que couloir ça pour devenir un CIPCA dans le cadre de ce gouvernement fait pour continuer à accompagner la population. On a dit ça qu'a fait, ça qu'a fait au profit de tout le monde qui vit sous le pays d'Haïti. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oup!